Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, la RDC se regarde dans la glace ce vendredi 17 mai, une date historique qui rappelle la chute du pouvoir de Mobutu et l'entrée des combattants révolutionnaires de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila. À suivre donc dans ce journal plusieurs réactions du proche du tombeur de Mobutu. Et cette question récurrente, que reste-t-il de la date du 17 mai 1997? Faut-il la commémorer? Vive polémique autour de la signification à donner à cet événement. En fin de journal, vous suivrez ce reportage sur les élèves du collège Saint-Modeste venus découvrir les conditions dans lesquelles notre chaîne œuvre. Merci à vous de rejoindre Télé 7, la scène républicaine. On ouvre cette grande page consacrée à la commémoration de l'entrée des soldats de l'AFDL dans la capitale. Ces Kadogo ont fait fuir Mobutu. Cette commémoration, une rituelle depuis 16 ans maintenant. Les proches de Laurent Désiré Kabila, les hommes politiques, la famille se sont retrouvés vendredi à la cathédrale du centenaire. L'officiant a appelé la classe politique et le peuple congolais à militer pour une paix durable dans l'est de la RDC. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a été représenté par le président de l'Assemblée nationale au Bémin Nakou, Thierry Kasongo et Cédric Idimbou. Devant le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et plusieurs personnalités de marque, l'officier du jour a dans son homilie tiré du livre 1 Roi 21, du verset 1 à 4, recommandé l'unité et l'amour du pays. Au peuple congolais, ses vertus, M. Laurent Désiré Kabila, les a cultivés jusqu'au sacrifice suprême. Au nom des compagnons d'Omzé, les sénateurs Yerodia Abdoulaye, larmes aux yeux, réaffirment le courage du soldat du peuple, l'homme qui s'est livré pour la cause de la nation. Ces camarades-là, important. Permettez-moi de vous rappeler, de prime abord, que les compagnons de la longue marche, au nom de qui nous prenons la parole, en ce jour, se fondent sur deux axes principaux, à savoir, d'une part, l'axe historique, faisant d'une pierre deux coups, les participants à cette messe ont adressé des prières en faveur des populations de l'Est de la RDC, victimes de la guerre qui ne fait que perdurer et dont les conséquences sont difficiles à effacer. On a entendu sur place des phrases pleines de signification en faveur de celui qui aura marqué son histoire, Laurent Désiré Kabila, l'immortel dans les cœurs de ceux qui l'ont connu et côtoyé. Ses proches gardent en mémoire la vision du tombeur de Mobutu. Ils sont au micro de Thierry Kasongo et Cédric Idimbou. Le 17 mai, c'est le retour du Congo. L'officier du jour a insisté sur le fait que soit on nous écrase tous, soit nous devons rappeler aux gens que nous avons hérité de nos ancêtres. Revenez vers votre ancestral, vers la coutume, vers l'autorité coutumière, pour qu'enfin, le retour du Congo, qui est revenu le 17 mai, je ne vais pas entrer trop en détail, mais si Mobutu a fui le Congo pour aller aux Zaïre, et que Moussa a fui les Zaïre pour revenir au Congo, le 17 mai a une histoire que nous vous raconterons un jour. Après le 30 juin 1960, parce que c'est la deuxième indépendance contre le néocolonialisme congolais, et puis la restauration de la République et la restauration de la démocratie. La date du 17 mai, d'abord, je me rappelle de ce jour-là, un jour ensoleillé comme aujourd'hui, un jour de plein de joie du peuple congolais qui jouissait dans tous les sens. On a assisté ces jours-là à des enfants qui jouaient sur le boulevard parce qu'ils étaient contents de la libération. C'est une nouvelle ère qui avait commencé ce jour-là pour le peuple congolais. C'est une journée où les Congolais doivent se sentir libres, libres d'esprit. Et parce qu'on cherchait la démocratie, aujourd'hui le président de la République, le Joseph Kabila Kabangé, a amené la population à aller vers la démocratie.
La journée ne s'est pas arrêtée là, puisque les officiels, les anonymes, la famille de l'ancien président, tout ce beau monde s'est retrouvé au mausolée de Laurent Désiré Kabila, occasion de s'y recueillir et d'y déposer les gerbes de fleurs. Le soldat du peuple n'a donc pas été oublié par le peuple congolais en cette date mémorable. Michael Bakemba, Brunel Lufungula et Jean Lumossi. Le 17 mai 2013, l'ensemble de Congolais rend hommage à celui-là dont la lutte pour la libération du pays reste à jamais gravée dans la mémoire collective. Mzé Laurent Désiré Kabila reste un vaillant soldat, un nationaliste infatigable, porté à l'amour de ses concitoyens et de son pays, témoignent ceux qui l'ont connu. Députés et sénateurs et bien d'autres officiels auxquels s'est jointe une marée humaine des militants et membres des organisations politiques de la majorité présidentielle ont tous, tour à tour, déposer des gerbes de fleurs au mausolée de Laurent Désiré Kabila, situé au Palais de la Nation. Point en l'air en signe de combat et de résistance, le sénateur Yerodia Abdoulaye Ndombassi a lui aussi déposé sa gerbe de fleurs en souvenir de son compagnon de lutte. Évariste Beauchab, secrétaire général du PPRD, se souvient encore de Mzé Laurent Désiré Kabila, 16 ans après, comme si c'était hier. Pour Mzé Laurent Désiré Kabila, toute la population congolaise était victime d'un système. Voilà pourquoi il y a eu révolution, pardon. Parce que d'autres qui étaient les complices de la dictature, mais le faisaient sans même le savoir qu'ils étaient en train de faire du mal à leur propre population. Voilà pourquoi ils étaient inconscients. Voilà pourquoi Mzé Laurent Désiré Kabila avait décrété la révolution, pardon. Le 17 mai, c'est aussi l'occasion de rendre hommage aux hommes et femmes courageux qui ont tout sacrifié pour combattre et renverser le régime de la Deuxième République. Beaucoup ont disparu, mais les survivants sont là, les uns dans l'oubli pendant que les autres s'emploient à pérenniser l'idéal du combat mené plus de 32 ans durant par le soldat du peuple Mzé Laurent Désiré Kabila. 16 ans après la libération, l'immense espoir suscite auprès des ex-Zaïrois d'envisager autrement l'avenir politique, social, économique et démocratique de leur pays qui continue de les maintenir dans leur intime conviction qu'ils tireront un jour profit des richesses que renferment le sol et sous-sol de la terre de leurs ancêtres. Vive émotion donc ce vendredi au mausolée. Là aussi, nos reporters ont pu à chaud recueillir quelques réactions. Les personnes interrogées se sont exprimées au micro de Bakemba, Mike Brunel, Lufungula et Jean Lumossi. Comme bâtisseur, c'est quelqu'un qui est revenu, il est revenu avec les valeurs fondamentales de la République. Le vrai nom du Congo, le vrai armoiries du Congo, et nous a conduit à l'auto, à l'amour de la patrie, à une certaine prise en charge, et nous a conduit à aimer notre pays. C'est tout un enseignement, la vie de quelques temps que nous est resté avec nous. Le changement est tout à fait perceptible. Vous savez très bien que du temps de la dictature, il était difficile même de nous rencontrer comme ça, sans que vous soyez suivis, filés, vous demandez pourquoi vous êtes retrouvés en masse. C'était pratiquement du terrorisme. Mais Moussa est arrivé le 17 mai. Aujourd'hui, vous voyez qu'avec Moussa, c'est la démocratie. C'est la démocratie qui a même pris des ampleurs un peu inquiétantes, même pour les pays limitrophes et même les pays européens. Vous vous rappelez, dans la capitale, on craignait une guerre civile après le départ de Mobutu et l'entrée des soldats de l'Alliance. L'incertitude, le flou alimentaient les rumeurs les plus folles. Dieu merci, Kinshasa n'a pas été martyrisé. Ses habitants qui se rappellent ces instants uniques n'ont pas oublié non plus l'exercice du pouvoir de Laurent Désiré Kabila. À Bandalungwa, Njili et Pompage, on est unanime sur la commémoration de la journée du 17 mai. Cependant, les habitants sont très très durs à l'égard du pouvoir actuel qui peine, affirme-t-il, à résoudre les problèmes sociaux de la population. Mariam Boya, Christa Agula, Dieu merci Sueka. Pompage, dans la commune de Ngaliema. Ici, la journée du 17 mai est une journée ordinaire, bien que la population de ce coin de la capitale a encore en mémoire l'entrée de l'AFDEL en 1997. Malgré cette date historique, le Congolais ne trouve pas l'opportunité de la célébrer. Le jour où on a le 17 mai, il y a un jour où il y a la ministre, il y a la députée, il y a la nanio, il y a un ngambo.
Et un jour, on a compris qu'il était comme le bango. Et puis, il est donc pas ça, Nini, à Tika Kenou. Il y a une journée, mon robot, le Benarabi sont arrivés à la fenêtre. Il y a un monde de temps, mon là. On t'a offert la main à Maroliani. Par contre, à Tchangou, la population estime que le bilan est négatif pour la libération dans son vrai sens. La date est le 17 mai. Bon, il y a des changements, c'est peut-être une dictature. Mais c'est où Kabila, le père aillé à Koti, tout le monde dit que. Je suis un peu comme la bande à 32 ans de moto. Je suis un peu de ville, je suis un peu de caca, osaka coincé, mais tu as l'autre, comment bien. 16 ans après, à Bandalungwa, les Kinois rencontrés se souviennent de cette date et dressent un bilan plus ou moins positif. La ligne de Varo vivre la deuxième république, de Varo vivre ma belle. Et moi là, je suis allé l'accepter dans mon pot et là, je suis allé la. Malgré cela, le Congolais garde des bons souvenirs de Mzé Laurent Désiré Kabila à travers sa devise « Ne jamais trahir le pays ». Plus d'une décennie après la libération du Zaïre, rebaptisé RDC au lendemain de la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, une réflexion sans complaisance s'impose sur les acquis ou les faiblesses de la dite révolution. Et puis cette question qui est à la base d'une vive polémique, la date du 17 mai mérite-t-elle encore d'être célébrée avec faste? Suivez plutôt ce commentaire de la rédaction avec Bijou Muzundu, rendu par Doudou Ndombe. Historiquement, la date vaut son pesant d'or. Après 32 ans de règne sans partage d'un régime autocratique, suivi de toutes les autres dérives, à savoir corruption, clientélisme, débournement, Laurent Désiré Kabila a eu le courage et l'appui d'une population enclin à la misère afin d'instaurer un nouvel ordre. Selon l'homme du 17 mai, le nouvel ordre devrait être caractérisé par une justice sociale, le respect de la chose publique, la prise en charge de la population par elle-même. Des vraies valeurs prônées par Laurent Désiré Kabila, qui malgré l'embargo qui frappait la RDC, n'a pas laissé de dettes tout en stabilisant la monnaie. On lui reconnaît d'avoir assez bien payé les militaires, instauré les services nationaux et surtout sa verve oratoire qui lui a valu quelques démêlés auprès de la communauté internationale. Que reste-t-il des acquis de cette libération? La question mérite d'être posée. La situation sociale du Congolais descend aux enfers face à une poignée de richissimes qui se la coule douce. Toutefois, le principal acquis de la libération du 17 mai 1997 reste sans conteste la démocratisation du pays. Un processus long et douloureux qui tout de même a donné à la RDC des institutions issues des urnes. Du moins pour cela, le soldat du peuple ne pourra pas remuer dans sa tombe. On est donc tenté de dire que vive le 17 mai. Jour de gloire quand l'AFDL entrait victorieusement dans la capitale congolaise, c'était un samedi autour de 10h, heure locale, souvenir du mémorable événement après la fuite de Mobutu et ses hommes, étape décisive qui a signé la victoire des révolutionnaires et la chute du système autoritaire incarné par Mobutu. Flashback ce soir avec Oscar Bakandoa. Le 17 mai 1997, comme dans une promenade de santé, les rebelles de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, menés par Laurent Désiré Kabila, prennent Kinshasa, la capitale du Zaïre. Le maréchal Mobutu ayant abandonné le pouvoir, Kabila, constatant le vide, s'autoproclame à partir de Lubumbashi, président de la République. Ainsi sonna le glas pour la Deuxième République. À partir de la chute de Kisangani au mois de mars 1997, les jours de Mobutu étaient comptés. La situation sur le terrain ne joue plus en sa faveur. Des villes continuent à tomber aussi facilement les unes après les autres. Et les forces de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo AFDL, bras armés rwandais du Front patriotique rwandais et de l'Ouganda menés par Laurent Désiré Kabila, avancent résolument sur tous les fronts. Devant cette avancée irrésistible des troupes de l'AFDL, les actions diplomatiques se multiplient pour tenter une rencontre entre Mobutu et Kabila. La France et la Belgique s'en mêlent discrètement. L'ONU encourage ce genre d'initiative brandie comme des tentatives pour éviter une catastrophe humanitaire. Mais en réalité, tout le monde était conscient que les forces armées zaïroises ne résisteraient plus à la force des frappes de l'AFDL.
Après la prise de Kinshasa, à l'aube du 17 mai, l'AFDL rendit public un message solennel intitulé « Déclaration de prise de pouvoir ». Depuis son siège temporaire de Lubumbashi, étant donné le vide laissé au sommet de l'État par la fuite de Mobutu et la déroute de son armée, le Grand Conseil de l'AFDL déclarait qu'il avait pris le pouvoir sous la direction de son président, Laurent Désiré Kabila. Cette déclaration eut force des constitutions jusqu'au 28 mai, date de la proclamation d'un décret loi constitutionnelle. Elle marqua la fin de la Deuxième République de Mobutu et le début d'une ère nouvelle dans l'histoire du Congo. On referme le musée de l'histoire. Nous allons maintenant nous replonger dans le présent et on va évoquer le déterminisme de l'actuel DG de l'OCC. Il s'est rendu aux portes d'attache de Banana dans le Bas-Congo pour remettre officiellement la première unité flottante de l'OCC. Un geste important. Désormais, les problèmes de lenteur rencontrés dans les opérations de prélèvement des échantillons des produits pétroliers et leur certification quantitative ne seront qu'une vieille histoire. Nadine Laing pour le commentaire. C'est la ville côtière de Mwanda que le directeur général de l'OCC a choisi pour fêter la première unité flottante de cet établissement public. Il a placé pour la toute première fois une femme en qualité de chef d'agence de l'OCC dans cette agglomération. Albert Katsongo Mukonzo devrait également inaugurer le laboratoire de certification qualitative du pétrole brut. Devant le maire de la ville de Boma, les députés nationaux, les mandataires des entreprises publiques et d'autres invités, il a réitéré l'engagement de l'OCC à travailler en faveur de la population. L'inspection et la certification des produits pétroliers qui entrent et sortent du pays sont des étapes fondatrices d'une meilleure maîtrise d'abondantes richesses dont Dieu a comblé la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années, notre pays connaît un accroissement de l'offre des produits pétroliers importants. Il était donc essentiel que l'Organisme national d'évaluation de la conformité se donnât les moyens de répondre en temps et en heure aux désirs légitimes des consommateurs de trouver sur le marché des produits sains dont l'usage ne met pas en péril les engins routiers et industriels et assure une meilleure protection de l'environnement, gage d'un développement durable. Albert Kassongo Mukonzo ne manque pas de reconnaître le soutien et l'accompagnement du ministre de l'Économie nationale, du Premier ministre et du chef de l'État pour la réalisation du projet inauguré. En agrandissant sa sphère d'exploitation, l'OCC vise en premier lieu la protection et la sécurisation des vies des Congolais, ainsi que la maximisation de recettes de l'État, cheval de bataille de l'actuel gouvernement de la République. La télévision, du moins Télé 7, n'a plus de secret pour les élèves du collège Saint-Modeste. Ceux de la 5e commerciale ont découvert comment les images sont traitées et la procédure pour que ces images arrivent à la maison via les postes récepteurs. Il a aussi été question des recettes issues de la publicité. Étape après étape, lors de leur visite dans les locaux de Télé 7, ils ont pu poser des questions et jeter quelques regards intéressés aux stars de la chaîne républicaine. Reportage. Conduit par le directeur commercial du groupe Média 7, ces élèves de 5e année en sciences commerciales découvrent l'un après l'autre les médias qui composent ce groupe de presse. Depuis Kinkolé, où est situé leur établissement scolaire, ces élèves visiblement déterminés à apprendre avaient une autre idée des médias. Ils rentrent satisfaits, rassure Boalo Poba, l'un des professeurs qui les accompagne. Les enseignements théoriques devraient quand même être complétés par la pratique, c'est-à-dire les élèves doivent voir de leurs propres yeux les réalités sur place. Donc c'est pourquoi nous sommes venus visiter une entreprise, voir comment fonctionne une entreprise de médias. Étape par étape, Charlie Tossi leur donne des détails, mais aussi des explications sur le fonctionnement des médias en général et le groupe Média 7 en particulier. Nous servons la population, parce qu'au-delà de l'aspect commercial que nous pouvons considérer comme la recherche du lucre, donc du bénéfice, nous avons aussi l'obligation, donc nous avons le devoir d'abord d'informer la population, n'est-ce pas? Et nous le faisons à travers les articles que nous publions. Ici, il n'y a pas que seulement les papiers commerciaux, il y a des informations sur la société. De la grande salle de rédaction du journal Le Potentiel, en passant par les bureaux, les plateaux, les deux salles de montage, les studios de Radio 7, jusqu'à la régie finale, ces jeunes espoirs de demain s'en tirent avec des nouvelles connaissances sur les médias.
Quelques-uns parmi eux ont du mal à cacher leur satisfaction. Ce qu'on a reconnu, c'est vraiment intéressant. Quand on était venu ici, on a vu tout ce qu'on avait besoin de voir. Et en rapport à nos cours, vraiment, c'est très bien passé. On nous a un peu démontré comment fonctionnent les informations ici à Télécite, comment Télécite découpe leur sommaire. On a compris un peu, il y avait la haine, les politiques. Engagé dans la lutte contre les antivaleurs, mais surtout pour la promotion de la bonne gouvernance, le groupe Mediaset ne dort pas sur ses lauriers. Grâce à un management tenu de main de maître par l'ADG Freddy Moulumba, le groupe Mediaset tient à l'œil tous les fossoyeurs dans l'intérêt du pays. Toutes ces informations ont été données à ses élèves pré-finalistes, dont l'école fait la fierté de sa promotrice, Marie-Kate Moutinga. Très compatissant, le gouverneur de la province orientale a parcouru des kilomètres pour se rendre la semaine dernière à Goma. Jean Bamanissa est allé assister à l'enterrement de la dépouille du père de l'épouse du chef de l'État. Une manière de réconforter la famille présidentielle. Les détails avec Monil Fembosso. Jean Bamanissa Saïdi ne pas resté insensible au deuil qui a frappé la famille de maman Olive Lembe Kabila. Le gouverneur de la province orientale, sa mère et sa grande sœur ont effectué le déplacement de Goma, assisté à l'enterrement du beau-père de maman Olive Lembe Kabila, décédé à Bruxelles en Belgique. Étaient également présentes différentes délégations venues de par le monde. L'occasion pour sa famille biologique, représentée ici par Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, de témoigner à l'illustre disparu toute son affection. Nous ne t'oublierons jamais. Tu étais un véritable Congolais à la peau belge. C'est d'ailleurs pour cela que ta sépulture est déployée ici à Kirotché. Puis vint le moment de la douloureuse séparation, celui de la mise à terre de son corps réduit en cendres selon sa dernière volonté. Consternation, émotion, tristesse, personne de la famille est pleuré. Amis et connaissances ne pouvaient retenir ses larmes. Dans les malheurs. Ils sont nombreux, ceux qui garderont à jamais dans leur mémoire le souvenir de ces grands hommes qui, après avoir servi les Congos, quittent pour l'éternité ces beaux et grands pays. Parmi eux, Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur de la province orientale. Les anciennes histoires du Congo, il en savait bien. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de lire des manuscrits qu'il a fait et j'espère que les enfants, nos enfants pourront le faire éditer ces livres-là pour rappeler tous les bons souvenirs qu'il a connus. Après l'enterrement, Jean Bamanissa Saïdi a quitté Goma pour Mambasa où il était allé répondre de ses obligations vis-à-vis de ses administrés dans cette partie de la province orientale. Voilà donc, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut bien sûr. Au revoir et surtout, portez-vous bien.